c'est l'histoire de l'amour, l'histoire de la haine, l'histoire d'un triomphe, l'histoire des contes d'Hoffmann. Voici un vœu d'amour pour maintenant et toujours. En 1820, la légende racontait qu'un groupe de 3 jeunes femmes utilisait la magie noire sur 3 colliers différents. Simplicité, proximité, efficacité, la dématérialisation et la signature électronique vont faciliter les échanges entre le client et la banque. Et ce n'est qu'un début, car nous pourrons bientôt offrir à nos clients la possibilité de souscrire à distance à l'ensemble des produits courants. Pierre après pierre, brique après brique, l'homme transforme son environnement, repense son mode de vie et en redessine les espaces. Le Queensland n'était pas un État à l'époque, c'était une colonie. Ça a été un moment décisif pour les aborigènes qui vivaient sur ces terres depuis des milliers et des milliers d'années, d'innombrables générations, parce que leurs terres étaient confisquées par les Européens. Voilà pourquoi les aborigènes ont dû fuir leur terre natale. Le MOOC est composé d'activités pédagogiques variées. Visionnage de courtes vidéos animées de 5 à 10 minutes, réalisation de quiz afin de vérifier l'acquisition de connaissances, exercices pratiques et travaux collaboratifs pour développer son réseau et ses compétences. Je fais pousser des ingrédients pour le cuisinier, afin que les idiots ingrats comme vous puissent apprécier leur repas. Un simple merci suffirait. Rechargez votre téléphone et bénéficiez de 100% de bonus à chaque recharge. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Les malades de la drépanocytose sont porteurs de 2 gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. C'est simple, si je te parraine, je gagne 10 points. Et si tu deviens cliente, j'en gagne 600 de plus et toi 300. Aujourd'hui, les applications, qu'elles soient mobiles, web ou sur d'autres supports, sont au cœur de notre vie. De nombreux créatifs veulent transmettre un message de façon immersive en mettant le public au cœur de l'action interactive. Et si vous aviez le pouvoir de créer une application de simulation sans coder ?